fait, c'est de faire de l'information sur la prise en charge de la douleur, qu'elle soit à l'hôpital ou qu'elle soit également en dehors de l'hôpital, puisqu'on a beaucoup de conférences, notamment ce matin, sur le problème de la douleur en ambulatoire, donc en post-chirurgical, également la prise en charge de la douleur chronique post-opératoire. Et donc c'est un forum qui intéresse les paramédicaux, mais les médecins également, donc de l'hôpital, mais de toute la région. D'ailleurs, nous avons des participants qui viennent de l'ensemble de la région. C'est une journée qui est très enrichissante. Ça conforte vraiment les expériences qu'on peut avoir dans nos structures. Moi, je travaille en EHPAD. Et c'est quelque chose qu'on a au quotidien et pour lesquels on se sent souvent impuissant et démuni. Donc là, il y a eu toute une partie médicale par les interventions des médecins, mais il y a aussi beaucoup d'ateliers qui visent aux techniques alternatives, comme l'aromathérapie, les techniques de manutention. Et c'est vraiment des choses qui sont applicables dès demain. Alors d'abord, pour les médecins de ville, il y a eu des grands progrès qui ont été réalisés récemment au niveau des études médicales. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, la douleur était très peu évoquée au niveau des études. Maintenant, il y a une formation qui est faite de manière beaucoup plus précise. Donc les médecins sont mieux armés maintenant pour prendre en charge la douleur de leurs patients. Mais bien sûr, il y a toujours des problèmes particuliers qui nécessitent une expertise spécialisée. Et dans cette optique-là, justement, donc récemment, la structure douleur chronique du CHU a mis en place un numéro d'appel avec un secrétariat unique que les médecins traitants peuvent joindre